Bonjour Marie. Bonjour Sylviane. Alors, quand je dis je suis, d'abord, je suis toujours contente d'avoir des personnes en face de moi parce que pour mes blogs, je ne fais d'interview que pour les personnes que j'apprécie, pour leurs livres ou leur oracle ou leur travail. Et là, c'est différent. Enfin, c'est différent et pas différent. C'est que quand j'ai reçu l'oracle des nuances émotionnelles, alors je vous donne je montre bien, on le montre toutes les C'est deux. Voilà, c'est la même. Alors là, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour vos images, pour vos illustrations. Et là, j'ai écrit à Erol, j'ai dit, il faut absolument que j'interviewe Marie parce que il est sublime. Pour moi, il est sublime. J'en montrerai quelques photos, hein. Alors, Marie, c'est vous qui avez tout fait. C'est-à-dire. tout de A à Z, tout. Alors, est-ce que vous Parce pouvez que nous. j'ai pas fait la maquette et j'ai pas fabriqué la boîte, hein, ça c'est Non. sûr. Mais comment avez-vous réussi toutes ces nuances de couleurs? Ça, alors là. C'est vrai que c'est un vrai défi parce que d'abord ce sont des tableaux que j'ai faits entre 2006 et 2010. J'avais fait une centaine de tableaux. Et j'ai eu l'idée de reprendre ces tableaux qui avaient eu beaucoup de succès et qui visiblement aussi avaient été des coups de cœur pour certaines personnes. Je me suis dit, il faut les reprendre, il faut remettre des couleurs, il faut que ce soit joyeux. Donc je les ai retravaillés sur mon ordinateur pendant à peu près 9 mois. Ça a été très, très intense. Et tout en me disant sur mon logiciel, il faut faire attention parce qu'ensuite sur papier, il va y avoir un décalage avec les nuances. Et d'ailleurs, en effet, l'impression couleur a fait tellement de progrès que ce qui s'est passé, c'est que les couleurs qui apparaissent sur les cartes sont les couleurs qui s'appellent RVB, les couleurs d'ordinateur. Et moi, j'avais mis le nom des nuances telles qu'elles me semblait qu'elles apparaîtraient un peu plus ternes sur papier. Et en fait, non, c'est formidable, elles sont sorties très vives. C'est pour ça que parfois, le nom de la couleur, de la nuance que j'ai mise, par exemple le bleu charrette, ben en fait, c'est un bleu un peu plus intense. Voilà. Mais. Alors là, je montre quelques images, hein, quelques images. J'imagine. Alors, on va parler de vos dessins, hein, parce que j'ai trouvé, elles sont très minimalistes, un peu japonisantes, hein, on pourrait dire, ou un peu oui, un peu japonisantes, ou un peu chinoises, Ou un hein, peu un peu indienne, un peu indienne. Extrême-Orient, Extrême-Orient. Beaucoup d'Orient, un petit peu aussi de Moyen-Âge occidental, un petit peu aussi de Renaissance occidentale. Mais oui, beaucoup de. Oui, il y a des. Alors, Et il y a. Alors. un petit peu d'Iran aussi. Oui, voilà, regardez celui-ci, hein, Ça, voilà. Et puis vous avez. Alors, celui-là aussi qui est. Enfin, ils sont. Alors, il y a 42 cartes, hein, c'est ça, oui. 42 cartes. Ah, je montre le dragon. Voilà, le dragon, il Voilà, est celui-ci vraiment. s'était inspiré de Uccello, Paolo Uccello, un petit peu. Alors, Marie, comment avez-vous eu cette idée des nuances émotionnelles? C'est parti de la couleur, c'est parti de la couleur de ces tableaux. Moi, ça me fait beaucoup de bien. J'ai besoin d'abord des nuances de la nature. Dans la nature, on a des milliers de nuances et j'ai besoin de ça. Simplement, on n'a pas tous la chance d'avoir de la nature auprès de nous. Et j'avais envie de me faire du bien et j'avais envie de faire du bien aux personnes que je connaissais et aux autres, puisque je travaille dans l'édition et que j'ai la chance d'être publiée. Et j'ai eu envie, ces tableaux, donc de les transmettre avec des couleurs qui soignent, qui fassent du bien à l'âme, des couleurs thérapeute. Ah oui, c'est vrai que franchement, écoutez, mission accomplie, hein, du moins avec moi, parce que quand j'ai vu, ah oui, quand j'ai vu, déjà j'ai vu les dessins dont la maison d'édition m'avait montré vos dessins. Alors c'est ce côté aussi enfant intérieur, vous voyez, c'est ce côté. Alors quand on dit enfantin, je ne voudrais pas que les gens pensent, ah voilà, c'est pour les bébés. Ah non, c'est justement. Pardon, c'est
aussi bien les couleurs que le dessin, votre patte hein, pour cet oracle, c'est justement, ça fait vraiment appel. Et par les couleurs, et par la subtilité de vos illustrations, à ce côté enfant, on s'extasie, on joue. Enfin, moi, c'est ce que ça a fait. Et vraiment, alors j'en montre une autre aussi, hein, parce que elle est vraiment. Donc voilà, donc vous avez. Alors il y a donc 42 cartes. Et comment vous avez eu idée de composer vos cartes? Comment c'est venu? Comment ça vous est venu? Je précise d'abord que ce ne sont pas des dessins, ce sont des tableaux à l'origine. Ce sont des tableaux. Ah oui, c'est vrai, vous m'avez dit des tableaux. Alors qu'ils ont tous été vendus, mais je les avais pris en photo. Donc, non seulement il y a la couleur, mais il y a aussi la texture. Si on regarde bien les cartes, vous verrez la texture de la pâte, justement, oui. La pâte de la peinture. Par exemple, vous avez cette petite japonaise qui prend du thé. Oui. Carte, si vous regardez c'est drôle. La robe, si vous regardez le fond, vous verrez la texture. Pour moi, c'est très important, il faut que ce soit sensoriel. Alors, comment j'ai eu l'idée de les composer, ensuite de les mettre en ordre, parce que ça faisait tout un petit monde, en fait, c'est ce que je dis dans le livret, c'est que ce sont mes fous sages que j'ai rencontrés dans mes voyages dans la Lune, parce que je suis une grande rêveuse. Et je me suis dit, bon, ben, chacun habite un hameau, peut-être, un hameau avec une couleur particulière, une coloration particulière. J'ai pensé aux éléments. Il y a donc 6 familles, et non pas 7, mais 6 familles de 7 personnages. Voilà, je me suis dit, on va les organiser comme ça, par thématique. Alors, des thématiques, le jardin intérieur, le jardinage intérieur, la famille, donc ils sont toutes représentées par un petit symbole. Le jardinage intérieur, c'est une petite montagne, c'est la terre, la famille terre. Nous avons également la famille eau, ce sont les contemplatifs qui se contemplent sur le miroir de l'eau, le miroir des vagues. Nous avons les créatifs, les poètes qui sont inspirés par l'air, par le ciel. C'est la troisième famille. Nous avons la famille des épreuves. C'est nous aussi. Bah oui, oui. On les traverse, on traverse le feu. Nous avons la famille des fers, l'action avec le fer à cheval. Et la dernière famille, représentée par un cœur, les relations. Alors attendez, parce que là, d'un seul coup, ça, le son est venu plus haut. Ah. Ah non, c'était bien. Non, mais vous savez, c'est les miracles de l'informatique. Donc vous avez fait vos familles. Et alors, voilà. Donc il y a 6 familles de 7 cartes. Oui. Hein, et puis alors, ce que j'ai particulièrement aimé dans votre livre, à part bon, mon coup de cœur, mon coup de foudre et tout ça, c'est que à un moment donné, alors j'ai trouvé ça très cocasse. Vous dites mode d'emploi, on risque de vous décevoir, il n'y en a pas. Soyez spontané, amusez-vous, etc. Donc, alors, bon, c'est ça, c'est finalement ce côté ludique. Hein, chacun y voit ce qu'il veut y voir et puis chacun s'amuse. Voilà. Donc, on peut s'en servir de plusieurs façons. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez. Il n'y a pas de mode d'emploi, hein, on est d'accord, hein, Marie. Non. Moi, je ne sais pas me servir d'un mode d'emploi. D'abord, je ne sais pas, par exemple, suivre une recette de cuisine. Je ne peux pas m'empêcher. J'ai été enseignante aussi dans une autre vie, au siècle dernier. J'ai été professeure d'anglais et je n'arrivais pas à me servir du manuel. Il fallait que j'invente. Il fallait que j'invente en permanence, que je crée. Donc, y a plusieurs manières de s'en servir. On peut simplement tirer une carte et la contempler, laisser venir les cartes sont comme des miroirs finalement. Oui, oui, oui. Quand on regarde un tableau, ça laisse infuser et sortir des choses qui viennent d'on ne sait où, de l'enfance, de voilà, ça vient avec l'environnement. Donc ça, c'est une première. Ça dépend aussi de la personnalité de chacun. On peut également aussi, on pourrait pourquoi pas aussi, puisque ce sont des familles de 7 personnages,
se dire il y en a un par jour de la semaine et aujourd'hui, cette semaine, ça sera la semaine créativité. Par exemple, oui. La semaine des relations. Mais... Alors ça, je ne l'ai pas mis dans l'oracle, mais ça me vient comme ça. On peut, si on a une question à poser, peut-être aussi tirer cette carte du jour. Et moi, je me dis, j'aime bien tous les jours en sortir une au hasard et la laisser comme ça dans la boîte. Ça fait comme un petit cadre, ça tient. Et voir ce que ça va... Ce que ça éveille en nous, quoi. Ça va éveiller au cours de la journée, au fil de la journée, selon les heures. Alors, si on est en conflit, par exemple, si on a une épreuve, voir tiens, sur quoi je dois travailler aujourd'hui, et puis, par exemple, prendre la famille faire, qu'est-ce que je peux faire avec ça, ou voilà ce qui nous appelle sur le moment. Voilà. On n'a pas expliqué, mais parce que effectivement, au départ, j'ai dit c'est amusant, c'est très japonisant ou chinois, ou vous dites ou iranien. Alors, excusez-moi si ça n'est pas indiscret, d'où ça vient ? Parce que j'ai vu d'autres œuvres de vous et ce n'était pas du tout comme ça. Ça, c'est mon œuvre vraiment très personnelle. C'était un projet personnel. C'est vraiment l'œuvre qui me ressemble le plus. Ça vient de très loin et ça vient de mon enfance. J'ai grandi un peu partout dans le monde, mais essentiellement en Asie. Et en particulier, j'ai passé toutes mes années de petite enfance à Singapour, où j'ai, pour moi, ça a été mon paradis. Pourquoi ? Absolu. Parce que d'abord, j'ai eu la chance, d'abord parce qu'à Singapour, on a juste école le matin. Alors ça, c'est positif. Hein. Oui, c'était formidable. Donc, de 3 à 7 ans, je suis restée là-bas. Et donc, c'est magique parce que j'ai vécu dans... C'était un environnement, c'était la jungle, j'étais dans l'eau toute la journée, sauf malheureusement les heures d'école. J'ai vécu presque nue dans l'eau toute ma petite enfance, c'était miraculeux. Et il y a eu aussi une femme merveilleuse qui s'occupait de la maison, à qui je pense beaucoup, et c'est un peu elle qui est dans toutes ces images. J'aurais tellement aimé la retrouver, cette femme et sa fille avec qui je dessinais quand j'étais petite. Elles sont là dans ce... Et puis des amis aussi, des amis de divers horizons. Alors, c'est pour ça. Vous avez, alors, excusez-moi encore la question bête, parce que moi, je suis toujours émerveillée par les gens qui dessinent ou qui peignent. Les créatifs, bon, eux, ils doivent m'admirer pour autre chose, mais j'aurais aimé, moi, faire des trucs avec la main comme ça. Vous avez appris ou c'est vraiment quelque chose qui est inné? C'est inné, j'ai toujours adoré dessiner, mais ça vient quand même aussi, c'est familial. Ma maman a fait une école de dessin, elle était artiste, et donc elle a vu, moi toute petite, je dessinais toute ma vie, je dessinais en permanence, je fabriquais des livres pour ma petite sœur, j'ai toujours dessiné, sauf ça s'est arrêté entre le collège et jusqu'à l'âge de 25 ans, parce que moi, dès qu'il y a un mode d'emploi, dès qu'il y a un cadre, dès qu'il y a une limite, ça me coupe. Donc, maman, quand j'étais petite, par exemple, il fallait dessiner un navire en classe de CP, elle avait ouvert le dictionnaire Larousse et elle m'a dit, voilà un navire, tu regardes bien les voiles, les mâts, etc., les hublots, et elle était très... en fait, maman était là, maman qui a donc fait l'école des arts appliqués. Et donc, mais est-ce que votre sœur, si vous avez une sœur, est douée comme vous ? Julie, ma sœur, a d'autres dons. Mais pas le dessin ? Elle, en tout cas, non, elle ne dessine pas. Non, c'est moi qui ai... Qui avait hérité du don. En tout cas, c'est moi qui l'ai pratiqué et qui l'ai repratiqué. Et puis, les années qui ont précédé ce coffret, le jour où j'ai décidé, moi, de faire des tableaux, je m'étais remis, j'ai passé une année au Louvre. Tous les matins, j'allais au Louvre
J'allais dans une salle copier des tableaux. Alors, je n'avais pas demandé l'autorisation, je n'avais pas le droit de faire de technique humide. Donc, j'avais mes pastels et je. Voilà. Et à un moment, je me suis dit, ça suffit de copier. Maintenant, tu trouves ton univers et tu le sors. Et tu le lances. Voilà. Voilà. Bravo, voilà. Marie. Bravo. Tu oses. Tu oses. Alors, donc, vous avez donc fait toutes ces cartes-là. Donc, moi, je vais m'en servir. Hein. Je vais m'en servir puisque je pratique le tarot psycho-intuitif. Donc, évidemment, ce type de tarot est totalement différent du tarot de Marseille où il faut justement, je suis comme vous, moi, dès l'instant qu'il faut m'enfermer quelque part, je trouve un truc de sortie parce que sinon, ça ne va pas du tout. la cuisine, les recettes, il faut que je fasse quelque chose, que je bidouille, c'est jamais pareil. C'est ça. nous sommes des indépendantes, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, effectivement, là, ce qui est dommage, puisque dans ce livre que je prépare, ça sera en noir et blanc, mais là, je vais m'en servir et je vais faire des tirages et je vous enverrai le lien, bien sûr, parce que il y a des petites phrases, hein, garder une âme d'enfant, etc., etc. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est, alors évidemment, les couleurs, mais il y a un goût. Moi, je l'ai envoyé à deux amis, hein, dont une amie qui est journaliste, qui m'a dit, mais cette harmonie de couleurs, ces nuances. Alors, l'harmonie de couleurs, je ne sais pas si vous avez regardé dans les remerciements, mais je remercie Hachem Mughal. Oui. C'est un ami iranien qui m'a apporté, qui lui était amoureux de mes tableaux, hein, qui les a connus, et c'est lui qui m'a aussi dit, maintenant, il faut montrer ces tableaux, il faut, et il m'a dit, mais moi, je ferai des petits changements, si vous me permettez, parce qu'il a apporté, voilà, sa touche persane, iranienne, oui. Magique. Ah oui, oui, alors, c'est vraiment, c'est vraiment magique. Alors je montre le derrière aussi quand même parce que elles sont aussi très très belles. Alors le derrière, pas le derrière. C'est moi qui dis. Non, c'est moi. Je ne sais plus. Mais les flamants roses, qui sont devenus jaunes. Ça, c'est aussi pour moi une référence à Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, la partie avec la reine et les flamants. Il y a tout ça. Et d'ailleurs, ce personnage-là a la même coiffure que la petite Alice Liddell aussi, la vraie Alice. La vraie Alice. Mais vraiment, référence, oui. Vous avez un image. Comment vous arrivez, alors là, c'est une question qui n'a pas trait à l'oracle, mais comment une artiste comme vous, parce que j'ai vu beaucoup d'œuvres à vous, hein, dont un autre oracle que vous avez fait que vous avez dessiné pour Métamorphose. Voilà, et eh bien, oui, elle a écrit votre préface. Comment vous arrivez à vous renouveler? C'est une question purement technique. Justement, c'est plutôt que je n'arrive pas à refaire deux fois la même chose. C'est comme pour les recettes de cuisine. Je suis incapable de faire deux fois la même chose. D'abord, j'ai beaucoup de chance de pouvoir prendre le temps, de rêver. Enfin, ma vie n'est pas que rêverie, elle est aussi très très terre à terre et assez atypique, mais j'ai besoin de rêver pour rester, paradoxalement j'ai besoin de rêver pour rester bien ancrée sur terre et quelque chose, je ne sais pas, tout d'un coup je vais avoir une période avec telle manière de dessiner avec tel outil. Et en effet, ce premier oracle que j'avais fait pour... qui n'était pas un oracle d'ailleurs, c'était des cartes de développement personnel pour Anne Guéquière, qui donc a préfacé, j'ai eu l'honneur qu'elle me préfasse cet oracle-ci, et j'expliquerai peut-être en deux mots pourquoi. Voilà, j'avais à cette époque-là, j'utilisais beaucoup le stylo bille et l'aquarelle. C'était ma période stylo bille aquarelle, ce qui ne plaisait pas d'ailleurs au directeur artistique. Mais je suis en même temps traductrice et je traduis en particulier pour Gallimard jeunesse,
des monographies sur l'artiste Quentin Blake, l'illustrateur Quentin Blake. Je ne sais pas si non. tout le monde connaît. Il est connu surtout pour avoir fait les illustrations des livres de Roald Dahl. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce grand artiste, qui est un monument en Angleterre et dont un musée va porter le nom cette année pour ses 90 ans, Quentin Blake, pardon, maintenant ne dessine dessine essentiellement au stylo bille. Donc j'étais tellement contente il y a quelques mois de découvrir cette monographie et de dire oui, oui, on peut être artiste et faire du stylo bille. Ah oui, c'est. Alors, vous vouliez nous expliquer pourquoi vous avez eu cette préface. Pourquoi Anne Guéquière? Eh bien, parce que Anne Guéquière, c'est elle qui m'a découverte grâce à un tableau en allant dîner chez des amis. Elle a vu un de mes tableaux chez ses amis et elle m'a contactée à l'époque où elle commençait à lancer son magazine féminin bio, qui était à ce moment-là un magazine web, maintenant qui est devenu un magazine papier. Anne Guéquière. Alors, Marie, comme on a encore eu, enfin, j'ai eu encore un petit problème avec Zoom, mais ça devient maintenant récurrent, malheureusement, vous alliez nous expliquer comment, comment elle s'appelle ? Anne Guéquière. Anne Guéquière, ah, j'ai du mal à prononcer son nom, bref. Vous avez finalement fait la préface du livret de présentation, je le remontre, de cet oracle. Comment elle est arrivée jusqu'à vous, quelque part ? Elle est arrivée jusqu'à moi grâce à un de mes tableaux, justement, en 2008, je crois. Elle est allée dîner chez une amie qui avait acheté un de ses tableaux que je vendais à l'époque dans un grand magasin parisien. Et elle m'a contactée parce qu'elle était en train de lancer son site féminin bio. Et elle m'a demandé de participer, de faire les avatars de ce site. Et puis, petit à petit... j'ai fait son premier coffret de cartes qui s'appelait le coffret de métamorphose. Et donc c'est elle qui vous a proposé plusieurs tableaux. Elle a plusieurs de ses tableaux chez elle. Ah voilà, donc c'est pour ça que finalement elle vous a fait, voilà. Alors donc on dit bien que, alors je montre aussi cette image, hein, qui n'est pas japonisante ou Extrême-Orient, non, l'Extrême-Orient, là c'est un petit bonhomme chinois, hein, on dirait un chinois afghan, oui, alors vous avez celle-là qui est vraiment très très drôle, frontière, oui, hein, elle est vraiment, je ne sais pas où vous allez, alors voilà, celle dont on parlait tout à l'heure, aimer monter, alors il y a un jeu de mots que j'ai trouvé, monter comme le thé à boire par le café sur un petit nuage. Alors, je la montre, je me cache et je la montre parce qu'elle est vraiment très, très belle. Donc, eh bien, écoutez, pour conclure, parce que moi, je resterai et je parlerai de votre oracle pendant des heures. Coup de foudre, hein, vraiment, c'est rare. Enfin bon, j'ai quand même des coups de foudre. Enfin, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un coup de foudre pour un oracle. Ça, je dois vous dire, sans aucune flagornerie, c'est vraiment… tiens, je montre aussi celui-là. Parce qu'il est, il est, il est amusant, le petit qui est en train de dormir. Hein, vraiment. Ah oui. Ah, puis celle-là aussi. Il n'y a pas que. Hein, vraiment. Merci à votre ami iranien qui vous a aussi aidé dans les nuances. Parce que vraiment, ça donne quelque chose d'assez extraordinaire. Il n'y a pas de frontières. En fait, c'est universel. Ah oui, c'est universel. Franchement, si c'est. On a envie de jouer avec. Ah, mais c'est exactement le but. C'est voilà, de nous rendre cette part de jouer. Ah oui. Moi, c'est ce que je dis toujours dans mon tarot, enfin aux gens, aux personnes ou qui suivent mes formations ou là dans le livre. Je dis, mais amusez-vous. Ne vous prenez pas la tête, vous prenez pas le chou. Amusez-vous. Moi, j'ai envie de m'amuser. C'est dans ce côté enfantin, je disais. Faire ce délire de l'enfance, retrouver ce délire de l'enfance, retrouver cette part fondatrice de nous. Oui. Divaguer comme les gosses, ils vous sortent des trucs. Eux, ils sont pas encore dans le moule, en train de dire oui, il faut penser, il faut dire, il faut, je dois. Mais c'est vraiment, on peut délirer à l'aise avec. Délirons. C'est une manière de résister. Et avec la joie, le sourire, le rire.
Ah, écoutez, là, alors, puis regardez si elle est belle, hein? Enfin, vous les connaissez bien aussi. Alors, il y a des tons de bleu, des tons de. Alors, il y a safran, il y a des couleurs, mais une palette de couleurs, c'est vraiment des nuances, hein? C'est vraiment des On n'a nuances. même pas besoin de réfléchir, c'est ça, ces nuances-là, quand elles parlent, c'est Baudelaire qui disait que la couleur parlait, c'est tout à fait ça. Écoutons-la, mettons-nous en veille un petit peu, en retrait, et écoutons ce qu'elles ont à nous chanter, ces couleurs. Ah oui, bah elle chante, je vous garantis. Écoutez, je vous souhaite mais un bonheur en vendre des milliers, des milliers, des milliers, hein, parce que vraiment, comment? Merci à vous de le faire connaître. Ah ben non, non, parce qu'il mérite vraiment d'être connu et puis que les gens, ben voilà, là c'est rêvé, hein, ça. Alors ça, c'est ça, vous avez bien dû l'aimer, celle-ci rêvée, ça c'est votre La univers. rêveuse, c'est moi toute ma vie. C'est toute C'est ma toute vie. votre vie. On m'a reproché, hein. On m'a dit attention, la vie, c'est pas des rêves. Ben, écoutez, heureusement qu'on arrive à rêver dans ce monde tellement de. Alors évidemment, c'est. Alors il y a le Covid. Après, bon, maintenant c'est malheureusement c'est l'Ukraine. Après, ça va être le truc du singe, je sais pas quoi. On se demande ce qu'ils vont trouver pour nous enquiquiner, nous empêcher justement de rêver, parce que les gens ne rêvent plus. Les gens ne. Ils, hein, si. Et Ah, bah, vous avez un imaginaire. Pardon? c'est ce qui fait aussi notre humanité, cette capacité à rêver, à imaginer, à se sortir des situations les plus horribles parfois. Grâce au rêve. Oui. Grâce au rêve. Eh bien, écoutez, alors, je remonte avec une joie immense. Hein, alors attendez, je me cache derrière cette petite merveille, voilà, je dis quand même. Hein. Et oui, je vous souhaite plein de bonheur. Et puis évidemment, je vous enverrai le lien. Et j'espère que plein de gens vont jouer avec parce qu'ils méritent d'être connus. Et surtout, c'est un vrai bonheur de jouer avec. Hein, ça, je dis. Hein. Merci. Alors vous voyez, il y a ce magnifique livret et il n'y a pas de mode d'emploi. Voilà. Voilà. Pas de mode d'emploi. Eh bien, écoutez, eh bien, écoutez, moi, j'ai été vraiment ravie de parler avec vous. Moi aussi. Et puis, bah, continuez à rêver, continuez à nous donner des oracles merveilleux. Continue. Ça sera peut-être pas des oracles, mais en tout cas, je suis en train de créer autre chose puisque je ne sais pas faire deux fois la même chose. Ah, ça, c'est bien. Alors, je vous plein de bonnes choses et à très très bientôt. Merci à vous aussi.